J'ai longtemps travaillé avec des aquarelles anglaises et évidemment, au Japon, j'ai trouvé des aquarelles japonaises qui sont très très denses en pigments et qui se prêtent énormément aux couleurs. Moi, j'aime bien que les aquarelles soient assez vives. Et pour le Japon, je trouve que c'est un pays qui a tellement de couleurs, aussi bien au printemps avec les cerisiers en fleurs que l'été, qu'à l'automne aussi avec les érables rouges qu'on appelle les momiji. J'ai voulu rendre cette exubérance quand même de couleurs. Bien qu'il y ait aussi un côté quand même, disons que c'est plutôt un côté zen, quoi, parce que ce n'est pas des personnages en mouvement, c'est une méditation, méditation à travers les jardins. Et là donc, la deuxième fois, je me suis rendue, je peux me déplacer, je me suis rendue au pied du mont Fuji, où j'ai dormi pendant 15 jours dans un petit ryokan, avec la vue du mont Fuji, voilà, cette vue-là, le matin. Et j'ai pu explorer toutes les facettes du mont Fuji. Il y avait Okusai qui a fait les 100 vues du mont Fuji. Moi, j'en ai pas fait 100, mais j'ai bien dû en faire 60, 70. Je travaille d'abord sur des petits carnets en accordéon. Et ça, c'est un travail, disons, d'atelier, parce que les formats, les grands formats, on peut pas les faire sur place. Voilà. Parfait. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita.